Mission accomplie. Brooklyn Nine-Nine est un film d'action en direct. Un concentré de séquences musclées portées par un flot de temps en grande forme. D'un côté, Kristen Slater prête son physique du premier Capitaine Hal. De l'autre, John Travolta interprète le rôle du major Dakin, son mentor. Lors d'une mission à bord du bombardier transportant des missiles nucléaires, Dakin retourne sa veste et balance Hal dans le vide, avant de s'approprier les missiles. Miraculé, le jeune capitaine va trouver refuge et un joli angler. Le scénario semble en priori basique et déjà vu, mais l'histoire prend rapidement des allures assez invraisemblables lorsque le jeune héros accompagné d'une midinette se met en tête d'affronter les mini-armées de son ex-mandant. Les arbres d'équipement s'enseignent jusqu'à l'improbable dénouement final de la mine. Ce n'est évidemment pas pour son histoire que Brooklyn Nine-Nine veut le coup d'œil. L'intrigue n'est qu'un prétexte comme dans tout bon film d'action pour proposer aux amateurs une avalanche de fusillades, cascades et dans des explosions de tout genre. Un festival d'attemplis magistral qui est servi par le maître Vanu qui réalisait ici son premier film américain. La caméra revivante qui fait les parts belles, scènes, manettes, tambours, battants, centre-volta, divertissement palpitant.